Nous allons commencer notre petit moment de prière. Voilà. Voilà. Invité des frères et sœurs. Nous allons commencer notre moment de prière. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Nous allons passer juste un moment de prière dans ce temps aussi difficile, dans ce temps très compliqué. Le Seigneur a... Excusez-moi, on va commencer. Voilà. Némi, que Dieu te bénisse. Ah, c'est très compliqué. Hein? Voilà. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce temps difficile, dans ce moment très critique, où tout le monde a peur, tout le monde vit dans l'angoisse, le Seigneur veut que je te dise qu'il a choisi un peuple. Tu es le peuple de Dieu. Tu es son peuple. Plus loin encore, le Seigneur dit qu'il t'a choisi, que tu fasses partie de son armée. L'armée de Dieu, c'est cette armée qui se lève la nuit, qui intercède, qui prie. Vous savez, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu dit que tu es son peuple. Il va plus loin, il dit qu'il tue son armée. Et il est le chef de l'armée. Il est au-devant de nous. C'est lui qui combat pour nous. Dans ce moment où tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, laisse-moi te dire, Dieu est là. Peuple de Dieu, lève juste tes mains. Commence à adorer le Seigneur. Lève juste tes mains, commence à adorer le Seigneur. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi ce soir. Commence à adorer le Seigneur. Yeah. Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève. Pour le servir, Dieu a une armée qui se lève. Pour le servir, Dieu a une armée qui se lève pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève tes mains. Pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains. Pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut par peuple de Dieu, lève les mains. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Oh, lève tes mains, adore le Seigneur. Lève tes mains, adore le Seigneur. Il est digne. Il mérite que nous puissions l'adorer. Il mérite que nous puissions l'aimer. Il mérite que ce soir, que cette nuit, que tu sortes de la distraction. Il mérite que toi, tu puisses l'adorer. Sors de ta distraction. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Adore ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, malgré tout ce que mes yeux voient, je préfère dire en moi-même que tes bontés ne sont point épuisées. Tes bontés ne sont point épuisées.
ta miséricorde n'est point épuisée. Tu dis, je préfère dire en moi-même, je préfère dire en moi-même qu'elle se renouvelle chaque matin. Encore Seigneur, aujourd'hui tu as renouvelé ta bonté dans la vie de ceux qui sont là. Encore aujourd'hui Père, tu as renouvelé ta bonté, tu as renouvelé ta grâce. Laisse-moi adorer ton nom, j'élève ma vers toi Seigneur. Tu as une armée Seigneur, ce soir encore, tu nous dis que nous faisons partie de ton armée. Nous sommes ton armée, nous sommes ton peuple, tu nous aimes, tu nous as choisis. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur Seigneur. Nous n'allons pas laisser la place à la peur. Nous n'allons pas laisser la place à l'angoisse. Nous n'allons pas laisser la place aux inquiétudes. Tu dis dans ta parole, aucune de vos inquiétudes ne pourra rajouter une coudée à votre vie. Aucune de nos inquiétudes ne pourra rajouter une coudée à notre vie. Voilà pourquoi j'ai décidé de me confier en toi, Seigneur. J'ai décidé de m'abandonner entre tes mains, Seigneur. J'ai décidé, Seigneur, commence à dire à Dieu. J'ai décidé, Seigneur, ce soir de m'abandonner entre tes mains. J'ai décidé, oh Dieu, de me laisser conduire par toi. Tu es le chef de l'armée. Oh, peuple de Dieu, lève les mains, adore ton Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains, adore ton Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains, adore ton Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains, adore ton Dieu. Adore-le, il mérite. Seigneur, je t'adore. Tu mérites ce soir que nous puissions t'adorer. Seigneur, tu mérites. Laisse-moi encore t'adorer, Seigneur. Laisse-moi encore te dire combien tu es bon pour nous. Combien tu es bon pour nous. Pendant ce temps critique où cette pandémie est en train de frapper des familles, est en train d'ôter la vie à certaines personnes, Toi, Dieu t'a gardé. C'est un sujet cette nuit, un sujet de remerciement cette nuit. Oui, en toutes circonstances, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Ceux qui sont en train de pleurer, des personnes chères en ce moment, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous pour rendre gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu, parce que rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'a pas permis. Rien ne peut t'arriver si Dieu ne l'a pas permis. En ce moment, rends juste grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu puissant, ô Père. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que tu es là. Tu es là pour nous, ô Dieu. Tu es là, tu es un abri sûr pour nous, Père. Tu es un abri sûr pour nous, ô Dieu. Père, en ce moment, Yahweh, cette pandémie est en train de mettre... En fait, les gens ne meurent pas seulement à cause de la pandémie. Les gens sont en train de souffrir de la peur de la pandémie. Mais Dieu Tout-Puissant, le chef de l'armée d'Israël, toi tu as combattu pour Israël. Toi tu as combattu pour ce peuple des manières miraculeuses, oh Dieu. Pour Jéricho, tu leur as juste demandé de louer. Pour Jéricho, tu leur as juste demandé de pousser des cris de joie. Pour Jéricho, Seigneur, pour combattre contre Jéricho, tu leur as juste demandé de tourner et de pousser des cris de joie. Seigneur, pour combattre cette pandémie, pour combattre la peur de la pandémie, tu nous demandes juste d'élever nos mains pures devant toi et de pousser de cris de joie et de louer, de te louer, de te dire combien tu es puissant, combien tu peux tout. Alléluia. Loue le Seigneur. Yahweh. Oh, Yahweh. J'élève mes mains vers toi, Seigneur. J'élève mes mains vers toi, Jésus. Entends nos cœurs, Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu puisses, Père, étendre ta main puissante dans la vie de toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Mes pensées sont tournées vers ceux qui souffrent en ce moment-ci. Mes pensées sont tournées vers ceux qui sont à l'hôpital.
l'hôpital en ce moment-ci. Mes pensées sont tournées vers les familles affectées par rapport à la mort des gens aussi chers. Oui, mes pensées sont tournées maintenant vers l'Afrique. Mes pensées sont tournées vers ceux qui ne peuvent rien par la force physique ou par les compétences, par les capacités. Mes pensées sont tournées maintenant. Alléluia. Nos pensées tournées vers le corps médical. Nos pensées tournées vers toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux. Mes pensées tournées vers ceux qui sont en train de soigner ceux qui sont malades. Mes pensées tournées, ô Dieu de gloire, étends ta main, étends ta main, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Guéris, guéris, Yahweh. Guéris, Yahweh. Guéris, Père. Guéris, rétablis, ô Dieu. Rétablis, Seigneur, ces infirmiers qui ont soigné d'autres personnes et qui ont contracté le virus. Guéris, ô Dieu. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en train de crier à toi cette nuit. Toutes ces personnes qui crient à toi cette nuit. Guéris, ô Dieu. Guéris, Seigneur. Guéris toutes ces personnes qui sont en train de crier à toi. Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas d'espoir, ceux qui ne savent pas où se tourner, ceux qui ne savent pas où se tourner, ô Dieu. Mes pensées, Seigneur, mes pensées vers ces gens. Guéris, ô Dieu, étends ta main puissante. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante, ô Dieu. 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 Dieu a eu une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour le prier. Dieu a une armée qui se lève pour la doré, peuple de Dieu, lève tes mains pour la doré, peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, peuple de Dieu, lève tes mains. Dieu veut consoler, peuple de Dieu, lève tes mains. Dieu veut guérir, peuple de Dieu, lève tes mains. Dieu veut guérir, peuple de Dieu, ouvre simplement ta bouche. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Ouvre simplement ta bouche. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Ouvre simplement ta bouche. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Ouvre simplement ta bouche. D'une manière miraculeuse, Dieu veut guérir. Vous savez, Jésus a guéri la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Parmi les symptômes de cette pandémie, il y a la fièvre, des fortes fièvres. Dieu est capable de faire, de menacer la fièvre, de menacer cette fièvre. Reçois-le, reçois cette parole dans ta maison. Reçois cette parole là où tu es. Dieu est capable. Jésus-Christ a menacé la fièvre dans la vie de la belle-mère de Pierre. En ce moment, il est capable de menacer cette fièvre. Il est capable de menacer ces symptômes que tu es en train de ressentir maintenant. Il est capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Seigneur, étends ta main, étends ta main. Guéris, Père, guéris ton peuple. Montre-nous aujourd'hui ta puissance. C'est le cri de nos cœurs, oh Dieu. Viens nous guérir, viens nous relever, viens nous consoler. Oh, guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple. Dieu, Dieu, nettoie l'atmosphère. Oh, purifie l'atmosphère. Purifie l'atmosphère, oh Dieu. Purifie l'atmosphère, oh Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Oui, Maker. Tu es le créateur de toutes choses.
Seigneur, tu es là au milieu de nous, dans nos maisons, nous n'avons pas peur. Seigneur Dieu, je suis en train de menacer, je menace la peur, l'esprit de peur, l'angoisse, les inquiétudes qui frappent à la porte des maisons de toutes ces personnes qui sont connectées. Je menace au nom de Jésus-Christ. Puisque je sais, ta présence est l'absence totale du ténèbre. Ta présence est l'absence totale de la maladie. Ta présence est l'absence totale de l'inquiétude. Ta présence est l'absence totale. Et l'absence totale de la peur. Osali Katinabiso Natondio Natondio Osali Katinabiso. Dans nos maisons tu es Natondio Natondio Osali Kosalane Sikoyo Natondio Natondio Osali Moyoki lo sambo Natondio Natondio Salinzela Salia bika mwa Yango yo oza Yawe Mosalinzela Mosalia bika mwa Mosalia bika mwa Yango yo oza Yawe Salinzela Mosalia bika mwa Mopesi kimya Yango yo oza Mosalinzela Yozali 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 We make Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Osali, osali na bikamwa, natondio, natondio. Osali. Moyo kilo sambo Totonda nani Totonda siyo Ozali Moyo kilo sambo Totonda nani Totonda siyo Salindela Salina bikama bomya bilaka nangaye nakokufa tena komona bilaka ola kangaye. J'aimerais que tu déclares ha Salindela Salina bikama bomya bilaka bilaka nangaye nakokufa tena komona. Je ne mourrai pas sans avoir vu ce pourquoi tu m'as appelé. Je le déclare, Seigneur. Nous sommes dans la période de Pâques. Nous sommes vraiment dans cette semaine de Pâques. Ce dimanche, nous allons tous célébrer notre grande fête. Cette grande fête, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité.
pour ta guérison. Il est mort, il est ressuscité, il t'a racheté. Il est mort, il est ressuscité, il t'a pardonné. Il est mort, il est ressuscité. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En ce moment, je déclare la guérison dans vos maisons. Je déclare la guérison en ce moment. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ah oui, ce n'est pas un hasard que cette pandémie puisse se passer pendant cette période de Pâques. Oui, quand l'ange de la mort est passé en Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mettrez le sang de l'agneau dans vos linteaux, dans vos portes, dans les poteaux de vos portes. Quand l'ange de la mort traversera le pays, passera le pays, vous serez épargnés. Le sang de Jésus qui a coulé protège nos maisons. Nous allons mettre le sang de Jésus sur les portes de nos maisons afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons protégés par l'ange de la mort qui est en train de frapper des familles maintenant, qui est en train de frapper des familles maintenant. Oh oui, que le Seigneur, que l'ange qui campe tout autour de ceux qui craignent le Seigneur puisse camper tout autour de ta maison, puisse camper tout autour de ta famille afin que tu sois épargné. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu es. Seigneur, merci Père. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Nous savons que la victoire t'appartient, au Jésus. Hein? Oh, oh, oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. J'aimerais que tu déclares la victoire. Oh, 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 victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. La victoire appartient à Jésus. 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 Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant? Un amour si grand, si puissant. Un amour si grand, si puissant. Comment exprimer? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour. D'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas
te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, Seigneur. Entends nos cœurs ce soir, oh Dieu. Entends nos cœurs ce soir, oh Dieu. Entends nos cœurs ce soir. Que le Seigneur entende le cri de ton cœur ce soir. Que le Seigneur qui entend, qui voit même le cri dans nos larmes, puisse entendre le cri de ton cœur ce soir. Entends le cri de nos cœurs, ô Dieu. Entends le cri de nos cœurs, Jésus. Entends le cri de nos cœurs, ô Dieu. Juste mes faibles mots dans mon cœur. Alors entends mon cœur, Yahweh. Yeah. Mon esprit qui te loue, Yahweh. Alors entends mon cœur, Seigneur. Oh, mon esprit qui te loue. Je prendrai mes faibles mots dans mon dictionnaire, oh Dieu, je n'ai que des faibles mots. Seigneur, juste te dire je t'aime, Yahweh. Je prendrai des faibles mots. Je prendrai des faibles mots pour te prouver ma gratitude et ma reconnaissance. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots. Juste mes faibles mots pour te dire combien je t'aime. Pour te dire combien je t'aime. Pour te dire combien tu es grand. Commence à lui dire avec tes faibles mots, avec tes propres mots. Juste mes faibles mots. Te dire combien je t'aime. Juste mes faibles mots. Te dire combien tu es si précieux pour moi. Mes faibles mots. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu es dans ta main, Yahweh. Tu fais des miracles en ce moment. Tu fais des miracles. Jésus, s'il te plaît, fais des miracles. Guéris les malades. Fais des miracles, s'il te plaît. Je t'en supplie, oh Dieu. Tu as dit. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Je ne m'inquiète de rien ce soir, car je sais, tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Je ne m'inquiète de rien. Tu fais des miracles, Seigneur. Tu fais des miracles. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. En ce moment, tu veux que le Seigneur guérisse ton père. Tu veux que Dieu guérisse ta mère. Tu veux que Dieu guérisse ta sœur. Tu veux que la main du Seigneur se manifeste d'une manière miraculeuse. Oh oui, je t'en supplie, Seigneur, accomplis le désir de nos cœurs. En ce moment-ci, Père, nous n'avons que besoin de toi. Hey, tu fais des miracles. Hey, tu fais des miracles. Ah, tu fais des miracles.
fais des miracles. Car il est glorieux et digne de régner. Il est glorieux et il est digne de régner. Dis-lui, tu es digne de régner. Tu es digne de régner. Il est digne de régner. J'aimerais que tu puisses te tourner vers le Seigneur et voir la grandeur de Dieu et non le nombre de morts causés par le corona. Frères et sœurs, j'ai juste envie de te dire, espère encore, car il est assis sur son trône de gloire. Il est assis sur son trône de gloire. Il est digne de régner. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est digne de régner. Il est digne de régner. C'est Jésus qui règne. Quand les hommes se sont mis ensemble pour faire la tour de Babel, la Bible dit « Dieu est descendu. Il a confondu le langage des hommes. » Dieu est capable de confondre le langage des hommes parce que lui seul règne. Dieu est capable de confondre ce que les hommes disent parce que lui seul règne. Et digne de régner. Il est digne de régner. De régner. Tu es digne de régner. Tu peux chanter avec moi en ce moment. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Car il est digne, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dis-lui, tu es souverain. L'agneau immolé est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous est l'agneau est sous. Est-ce que tu peux chanter dans ta maison? Dis-lui gloire, gloire, gloire. Chante en gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Chante en gloire. Gloire. Chante gloire. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
qu'il est glorieux. Tu es digne de louange, l'agneau sur son trône. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Nous élevons nos mains, nos voix, t'adorer, Yahweh, ce soir. Nous voulons t'adorer. Nous élevons nos mains, nos voix, Yahweh, nous voulons ce soir t'adorer, car tu es digne. Tu es digne, hey, tu es digne, nous voulons ce soir t'adorer, t'élever, t'honorer, ta main puissante nous bénit, ta main puissante nous guérit, tu es assis sur le trône élevé, tu intercèdes pour nous, Yahweh. Nous voulons ce soir t'adorer, nous voulons ce soir t'élever, sois élevé, sois élevé, Yahweh. Oh, tu peux sentir sa présence, sans la présence de Dieu dans ta maison, sans sa présence en ce moment, la présence de Dieu nettoie l'atmosphère de ta maison, la présence de Dieu guérit les malades, la présence de Dieu, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus Christ, nous sommes libérés, nous sommes guéris, par le nom de Jésus, la présence de Dieu dans ta maison, l'absence totale de ténèbres, la présence de Dieu dans ta maison, chasse l'obscurité, la présence de Dieu dans ta maison, chasse la maladie, oh, oh, oh. La présence de Dieu dans ta maison, oh oui, sans sa présence, yeah, Yahweh, nous sommes là ce soir, yeah, yeah, Yahweh, nous sommes là ce soir, yeah. Nous sommes là pour toi, Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, oh Dieu. Ta présence ce soir, Yahweh, guérit les malades, Yahweh. Ta présence ce soir, Yahweh, libère les captifs, Yahweh. Ta présence ce soir, Yahweh, nous délivre de la peur, Yahweh. Ta présence ce soir, Yahweh, nous délivre de l'angoisse, Seigneur. Je ne vais pas m'inquiéter, Yahweh, car je sais que tu es là, 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 tu es présent, tu es là, tu es là, tu es présent, tu es là. Il est là, il est là, il est là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, Yahweh, car je sais que tu es là, Seigneur. Oh, tu es là, 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 mon âme te bénit. Oh, tu es là, tu es là, tu es là, tu es présent, tu es présent. Tu es là, dans nos maisons, tu es là, dans ce moment de confinement, dans ce moment où les gens sont fatigués, j'aimerais te dire, il te demande ce soir que tu puisses te décharger sur lui, décharge-toi sur lui, il est allé à la croix pour te décharger de tout
fardeau. Il est allé à la croix pour te décharger de tout fardeau. Yeah. Tiki lola oyena se Kope sanga bomoy O matine kulusu O futi nyongo nanga O kiti epa yaba we O matina likolo Kumamana yo kolo Tiki kembo yenase Kopisanga impumoy O matine kulusu O futi nyongonangay O kiti epayabawe O matina likolo Kumamana yo kolo Tiki lola oyena se Kope sanga lubiko O matine kulusu O futi yungo nanga O kiti ipaya bawe O matina likolo Kumamana yo Awe, awe, kumamana yo kolo, awe, awe. Lord, I lift your name on high, awe, awe, awe. Lord, I lift your name on high, on high, on high. Lord, I lift your name on high. On high, on high, Lord, I lift your name. On high, on high, Lord, I lift your name. You came from heaven to earth. You showed me the way, Jesus. You came from heaven. You came from heaven to earth. You show me the way, Jesus. You give me the life, Jesus. Let me praise you this night, oh God. Let me worship you, God. Let me lift your name on higher. Let me lift your name on higher, on higher. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Juste ton nom, Jésus-Christ, j'élève ton nom, Yahweh. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, je loue ton nom. Loue le nom de l'Éternel, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Hey! Naye biete, ganaye biete, naye biete, akote le ma, na bomo inangae, akote le ma, na bomo inayoe, azote le ma, naye biete. Gana yebete, na yebete, azote le ma, azote le ma, azote le ma. Il se lève pour guérir, il se lève pour te protéger, il se lève pour t'établir, il se lève pour te protéger, il va te donner un témoignage. Le Seigneur va te donner un témoignage, le Dieu qui a guéri. Le Dieu qui a guéri ma sœur Aïda du corona, il va te guérir aussi.
il se lève. Je sais, oh, oh, je sais. Ce jour est arrivé, c'est même ce soir. Il guérit, il est dans sa main. Naïe biété, naïe biété. Naïe biété, a sauté les mains. Atamo toi souka na bon moi nanga. Après que les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir pour ta mère, puisqu'en ce moment-ci, elle est aux soins intensifs. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, j'aimerais te dire, le Seigneur se lève maintenant pour toi. Ah, ah. Les médecins ont dit que les poumons de ta sœur sont affectés. J'aimerais te dire, ils n'ont pas le dernier mot. Naïe biété, naïe biété. Naïe biété, osote les mains. Motoa souka na makambo yo. Naïe biété, naïe biété. Naïe bi, mokulango le loro. Yesu nanga yo, osote les mains. Osote les mains. Naïe biété, naïe biété. Naïe biété. Azote les mains, montoi sous canaboumoy na yo, na yebiete, à côté les mains, cocota li kambona yo, oh, azote les mains, zokata ma kambo, oh yo, oh, 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 azote les mains, zope salobi kon nandako, eh, oh, azote les mains, zope sa kimiana motema. Azote les mains, zokata makambona yo. Azote les mains, zope sa kimiana motema. Azote les mains, zope sa kimiana motema na yo. Baba eh, baba eh, baba eh, eh, baba eh, baba eh, baba eh, azote le mazo pesa ki mia na motema eh. Il se lève ce soir, azote le mazo kata, makambo na yo eh, eh, eh. Pour l'Afrique, le Seigneur se lève. Pour l'Europe, le Seigneur se lève. Pour l'Amérique, le Seigneur se lève. Pour l'Asie, le Seigneur se lève. Pour l'Océanie, l'Éternel se lève. Il se lève, il se lève. Il se lève pour confondre les sages de ce monde. Il se lève pour confondre le langage des hommes. Azote les mains, zokota, makambo na biso. Azote les mains, zobundisa, bitumba oyo. Elekeli biso mayele. Azote les mains au bunda, bitumba oyo, elekeli biso makasi. Azote les mains au pesa kimia na motema, azote les mains au bunda, bitumba oyo, elekeli yo na makasi, elekeli yo na mayele. Elekeli yo na makasi, Yesu azote les mains, Yesu azote les mains, Yahweh azote les mains, Yahweh azote les mains, oh oh, Yahweh azote les mains. Il se lève, il se lève, il se lève pour toi, il se lève pour toi, il se lève pour toi. Il se lève pour toi. Partout où les enfants de Dieu se reconnaissent, le Seigneur se lève pour combattre. Le Seigneur se lève pour combattre. Le Seigneur se lève pour protéger. Le Seigneur se lève pour étendre sa main. Le Seigneur se lève maintenant pour garder, pour protéger. Il se lève maintenant. Tous les enfants de Dieu dans le monde entier, partout où vous vous retrouvez, j'aimerais vous dire, le Seigneur se lève maintenant. Oh oui, oh oui. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il dirige mes pas dans des eaux paisibles à cause de son nom. Il va diriger tes pas dans des eaux paisibles à cause de son nom.
quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort de Corona, mais nous ne craignons aucun mal. Tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort de Corona. Ça va peut-être frapper à ta porte, mais ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et le Seigneur se lève maintenant. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est le berger, l'abri sûr. L'Éternel est le berger, l'abri sûr. Oh, je me repose, Seigneur, en toi. Je me repose en toi, Seigneur. En ce moment-ci, nous nous reposons sur toi. Eh, Père, nous savons qu'en toi, nous avons la paix. En toi, nous avons la joie. En toi, nous avons l'espérance. Oh oui, nous espérons encore. Oui, Abraham a espéré contre toute espérance. Nous espérons encore. Dieu, tu vas agir. Oh, na pesayo nini nzambe nangai. Na pesayo nini kolo na bomoi. Na pesayo nini Yesu. Na pesayo nini Yesu. Oh.
Chodi choso chabunzambi Chidi munda mweba yeswe Mokolo wa mai Hallelujah Hosanna Wakala ya sala Hallelujah Hosanna Salani ya lela Hallelujah Hosanna Wakale la mwana Hallelujah Hosanna Zambi wabukole Hallelujah Zambi wabukole Zambi wabukole Hallelujah Hosanna Zambi wabukole Zambi wabukole Oh, Zambi wabukole, Zambi wabukole, Zambi wabukole, Zambi wabukole, Zambi wabukole. Hey, Hallelujah Hosanna, Zambi wabukole, Hallelujah Hosanna, Hallelujah, Hallelujah Hosanna, Hallelujah, Hallelujah Hosanna. Hallelujah, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah. J'aimerais que tu puisses encore louer le Seigneur ce soir. Que tu lui dises, que pourrais-je te donner pour la paix, pour la paix, pour la paix, pour la guérison, pour la guérison, pour la santé. Oh Dieu, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, dis seulement un mot. Quelqu'un ce soir sera guéri, Seigneur. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, je serai guéri. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver ce soir, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Là où tu es, que la main du Seigneur te guérisse, puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Il va faire des miracles ce soir. Il va faire des prodiges dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu très haut vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions nous retrouver encore la semaine prochaine. Si Dieu nous fait grâce, peut-être demain, peut-être lundi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je tenais vraiment à vous dire merci pour votre présence dans ce direct. Oui, je me suis fait rare avec toutes les obligations, mais le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Si Dieu le veut,
Nous allons passer encore un moment dans sa présence. Nous allons encore passer un moment dans la reconnaissance. Vous savez, Jésus, devant la tombe de Lazare, quand il a levé les yeux, il a dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, afin que ton fils te glorifie. Il a dit, moi je te rends grâce, parce que tu m'exauces toujours. Si je fais cette prière, c'est à cause de ces gens qui sont là. Mais pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Oui, pendant la semaine, nous allons prier le Dieu qui exauce toujours. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Oui, devant la foule, Jésus avait ce petit poisson et ce petit pain. Il n'avait que 5 poissons et 2 pains. Il regarde, il dit, oh, 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 oh. Comment je ferai? Il a parlé à Dieu, il a dit, je te rends grâce pour le peu que j'ai. Je te rends grâce pour le peu que j'ai. Pour le souffle de vie que tu as, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. L'action de grâce ramène l'onction de la multiplication. L'action de grâce ramène le miracle de la multiplication. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu et dans l'exhortation également. La source du salut, que Dieu vous bénisse. Nous avons bien prié, nous avons bien adoré. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous fasse du bien encore. N'ayez pas peur. Le message que je veux vous apporter pendant cette période, c'est de vaincre la peur. L'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Le Seigneur veut te fortifier encore ce soir, en toutes circonstances. Rends grâce à Dieu. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des proches. Je vois maman Karine. Seigneur, console cette famille. Console cette famille. J'aimerais qu'elle puisse voir le petit pain, le peu de pain qu'elle a en ses mains et le peu de poisson qu'elle a en ses mains. Tu as guéri sa sœur, mais tu as permis que sa mère parte. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Le Dieu de l'Alliance, souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Avant de finir ce moment, j'aimerais seulement que tu puisses élever ta voix, que tu puisses bénir le Seigneur là où tu es, que tu puisses élever ta voix et dire merci à Dieu. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait. Dieu de gloire, s'il te plaît, nous te supplions, Dieu. Guéris ton peuple. Guéris tes enfants. Fortifie-nous. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous préparons pour notre dimanche de Pâques dans vos maisons. Nous allons faire la Sainte Cène. Vraiment, que Dieu prépare votre pain sans levain et prépare votre fruit de la vigne. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, nous sommes sur Zoom. Et dimanche, nous allons passer notre culte. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité et surtout pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tu es là, tu peux m'aider ?